Salut à tous. Salut à tous. Salut, salut. Et bienvenue au bras de la plaine, les pieds dans l'eau pour cette nouvelle randonnée. Allez, aujourd'hui, on vous emmène pour une randonnée à l'Entre-deux. C'est un petit village hyper sympa que j'espère qu'on aura l'occasion de vous faire découvrir en images une autre fois. Mais aujourd'hui, on vous emmène dans le lit de la rivière. C'est un sentier qui est assez connu par les habitants de l'Entre-deux et les trailers adorent faire leur entraînement. Donc c'est parti, aujourd'hui, on est tous les quatre. Enfin, pas tout à fait. On a Lisa, notre amie, qui est revenue à La Réunion il y a quelques jours. Et qui partage avec nous ce sentier. Sur le pont de l'Entre-deux, donc voilà, on a la rivière juste ici et on est littéralement au milieu des deux bras. Donc de ce côté là vous avez l'Entre-deux et juste ici vous avez la région du Tampon. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, Lisa vient de se faire alpaguer par un créole. Ça tombe bien, elle est célibataire. Bon, lui, il a l'air d'avoir 45-50 ans. Bon, ça peut le faire, hein, si à la fin. Bon, en tout cas, nous, on est dans le lit de la rivière, ça y est. Bon, ben voilà, j'ai fait la rencontre de... Comment il s'appelle? Roger? Je sais pas. Attends. Elle va pécho en tout cas. Ah non. Il m'a dit que je pouvais l'appeler même la nuit. Georges Rando. Et ben, j'espère que c'est pas comme le serpent sur la série Netflix qui m'a ramené dans mon verre. Parce qu'il rencontre des gens en rando. Non, mais il est très gentil. Et il m'a proposé de faire des randos avec lui. Voilà. T'es prête pour notre première traversée? Ouais, on va mettre les pieds dans l'eau, Ethan. On n'a pas le choix, hein. Faut y aller là. Faut y aller. C'est magnifique encore. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais mes pieds. Ouais, c'est trop bien. Ils sont sales tes chaussures. Oui. J'attends un banane. Qu'est-ce que tu dis? J'attends un banane. Ah,
Ça part là, au milieu du cours d'eau là. On va bientôt arriver aux orgues basaltiques. Il paraît que c'est très joli. Voilà, je suis dans les orgues basaltiques et c'est juste exceptionnellement beau. Normalement, on n'aurait pas dû aller si loin. On devait faire demi-tour à l'arche. Mais finalement, on se trempait les pieds et randonner les pieds dans l'eau, c'était assez cool. Donc on a décidé de continuer. Et franchement, on ne regrette pas du tout parce que c'est juste somptueux. C'est super beau. On a dit qu'on se trempait les pieds, pas les genoux. Ça dépend des endroits.
chaîne humaine pour s'assurer le coup. On est sécurisé, rien du tout. Il faut pas faire tomber du tout. Bonjour madame, je me cache. Et ici, il y en a une qui est contente d'être là. Un petit sourire, c'est belle. Ce qui est vraiment trop génial en randonnée avec nos petits loups, c'est tous ces gros câlins qu'on s'est fait. Ah! Plein d'amour. Des fois, ça finit en sieste, mais pas là. Coucou! Tu fais coucou? On te jure, tu rigoles. Coucou! On est arrivé à la fin de cette randonnée qui a fait à peu près 8 km. Ethan a marché toute la descente à son petit rythme. L'enfant de 3 ans, c'était cool. On a mis ensuite Ethan en porte-bébé parce qu'on a dû traverser plusieurs fois la rivière avec de l'eau quasiment au niveau des genoux. Donc ça aurait pu être un peu dangereux si Ethan devait traverser tout seul avec le courant. Mais en porte-bébé, c'était très sécurisé et voilà, c'était cool. L'eau était bonne en plus, ça faisait du bien. Et voilà, on a fait une bonne pause en bas, au niveau des orgues basaltiques. On vous conseille vraiment d'aller les voir, c'est très joli. Voilà, on a fait une petite pause pique-nique, un peu de baignade pour les petits, c'était bien sympa. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très bientôt.